Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Il y a un pasteur qui disait souvent, ça c'est la gloire de maman de ma gloire. Il faut une véritable gloire pour le Seigneur. Amen. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. On veut la gloire pour le Seigneur. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Dans la maison de l'Éternel, tout s'écrit. Gloire. Dans la maison de Jésus, tout s'écrit comment? Gloire, gloire, gloire. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Matondi Mingi. Je suis ravi de me retrouver au milieu de vous aujourd'hui. Na sepeli penza kozala kati na bino lelo. Je bénis l'Éternel qui a permis cette opportunité. Na pamboli nkolo oya pesi makoki oyo. Je bénis aussi le révérend pasteur Alexis. Na pamboli pe pasteur révérend Alexis. Que Dieu les bénisse. Nzamba pambola bino. Et que Dieu bénisse cette église. E nzamba pambola pe ecclesia oyo. En fait, moi, je ne dis pas que nous sommes des voisins. Nous sommes une église sœur. Amen, amen, amen. Quand vous êtes venus ici, c'est nous qui vous avons accueillis. Oui, parce que nous on était ici depuis 2008. À côté là. Quand vous êtes arrivés, on a dit waouh, c'est très bien. Parce que là, nous allons ensemble coincer les démons. Ils vont manquer d'espace. Alléluia. Amen. Nous allons lire un texte qui se trouve dans Nombre chapitre 22. Le verset Nombre 22 verset 1 à 15. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Moi, j'aime qu'on lise la Bible tous debout. Pour respecter la parole du Seigneur. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Les enfants d'Israël partirent. Ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, « Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. » Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur les fleuves, dans les pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, « Voici un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je t'ai pris, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je les battre et les chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, celui que tu maudis est maudit. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, passez ici la nuit, je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et le chef de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces gens que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici, un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre, viens donc, maudis-les. Peut-être ainsi pourrais-je les combattre et les chasserai-je. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple car il est béni. Balaam se leva le matin et il dit au chef de Balak, allez dans votre pays car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent, Balaam a refusé de venir avec nous.
Balak envoya de nouveau de chefs en plus grand nombre et de plus considérés que les précédents. Amen. Amen. Mettez-vous. Tofandi. Je bénis la chorale parce que, conformément à ce message, la chorale était vraiment dedans. Que Dieu vous bénisse. Le thème de ce matin, la conspiration diabolique confondue. La conspiration diabolique confondue. Ou encore les plans du diable confondus. Bien-aimé dans le Seigneur, nous prions, nous venons à l'église. Mais je vais vous dire une chose, le monde est métaphysique. Le monde est à la fois physique, à la fois spirituel. C'est ce que les chrétiens doivent noter. Lorsque tu vois un objet, ne pense pas que cet objet est seulement ce que tu vois. Parce qu'il y a d'autres réalités qui se cachent derrière certaines choses. Pourquoi? Parce que nous sommes des Africains. Nous connaissons les choses qui se passent chez nous. Nous connaissons tous. Tu peux voir un bout de papier par terre. Tu crois que c'est un bout de papier, alors que c'est une antenne de sorcier. Tu peux voir quelque chose tomber dans votre maison. Tu crois que c'est rien, alors que c'est un avion de sorcier qui est tombé dans la maison. Ce sont des choses que nous connaissons. Dans son palais, tout s'écrit. Écoutez-moi. Yokangai. Balak était le roi de Moab. Balak azalaki mokonzi ya Moab. Moab, c'est l'enfant que Lot a mis au monde avec son aîné, sa fille aînée. Moab ezali mwana oyo Lot a botaki na mwana na mwasi ya liboso. Entre-temps, Lot, c'est le neveu de qui? Nzokande Lot azali mwana kasi ya nani? D'Abraham. Ya Abraham. C'est toute la famille là. Israël, Israël, ils viennent de qui? Ils viennent de Jacob. Jacob vient d'Isaac. Isaac vient d'Abraham. Regardez ce qui se passe ici. Dieu va parler à Abraham. Parce que tu n'as pas obéi à ce que je t'avais dit. Tu n'as pas fait les choses telles que je l'ai demandé. Voici ta postérité. Sera en captivité dans un pays quelconque. Ils feront 4 siècles là-bas. Et ils vont en sortir. C'était qui? Les enfants d'Israël. Ils n'étaient pas encore nés. Il n'était pas encore vivant. Dieu parle à Abraham de ce qui va se passer dans la suite des temps. Frères et sœurs, nous sommes chrétiens. Nous devons avoir la perspective d'avenir. Chercher à connaître les choses qui se sont passées auparavant, ce qui est maintenant et ce qui doit arriver. Alléluia. Amen. C'est là où se trouve le problème de beaucoup de chrétiens. Parce que plusieurs chrétiens croient ceci. J'ai crié au Seigneur Jésus, je suis sauvé et tout est terminé. Ça va aller comme sous les roulettes. Ne vous y trompez pas. Il y a des choses qui se sont faites avant que toi tu naisses. Dans votre famille, il y a des choses qui se sont réalisées. Il y a des alliances, il y a des pactes, il y a des contrats qui ont été signés avant ta naissance. Et c'est de ça que je parle aujourd'hui. Amen. Amen. Parce qu'un chrétien, c'est celui qui vient avec Jésus pour déboulonner le système établi dans la famille. Je peux répéter ça. Le chrétien dans une famille, c'est celui qui vient déboulonner le système qui était établi avant. Amen. C'est pourquoi nous disons ceci. Les plans diaboliques, la conspiration diabolique sera confondue. Amen. Bien-aimé, les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte librement.
La main levée. Ils avancent d'un endroit à un autre jusqu'à ce qu'ils vont arriver à la frontière du pays. Frontière de Canaan. Ils vont commettre une bêtise. Dieu dit aux enfants d'Israël, voici le moment qu'il faut traverser. Lisez tout ça dans Nombre. Lisez aussi ça dans Deutéronome chapitre 1, 2, 3. Vous allez voir cette histoire. Ils vont arriver à la frontière. Moïse envoie 12 espions. Allez vérifier quel est l'état de ces pays-là. Des gens qui habitent sont nombreux, ils sont puissants, leurs villes sont comment. Je te pose la question, est-ce que tu as vérifié déjà la force de tes ennemis? As-tu l'information des forces qui opèrent dans ta famille? Est-ce que tu as l'information des choses qui se passent dans votre famille? Ou bien tu pries seulement sans savoir qu'est-ce qui se passe dans votre famille? Et quand les choses ne vont pas marcher, tu vas dire non Seigneur, j'ai prié depuis longtemps, je ne vois rien. Ce n'est pas la faute de Dieu, c'est ta faute. C'est de ta faute. Parce que tu dois chercher à connaître qu'est-ce qui se passe exactement dans ma famille. Pourquoi toutes les femmes ne se marient pas? Pourquoi lorsque les femmes se marient, elles partent, elles reviennent? Pourquoi dans notre famille, il n'y a pas de licenciés? Il n'y a que des gradués. Pourquoi il n'y a pas de gradués? Pourquoi il n'y a rien? Tu observes la famille. Tu regardes à gauche, à droite. Tu observes du côté de ton père, du côté de ta mère, du côté de maman. Qu'est-ce qui se passe? Mais lorsque tu constates qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est comme ça que Moïse avait fait. Il envoie les espions aller vérifier les pays où nous allons. Amen. Amen. Ils sont revenus. Ils ont donné un mauvais rapport. Dieu n'était pas content. Dieu a dit parce que vous avez décrié les pays que je vous ai donnés. Alors vous allez rester ici dans le désert. Vous avez fait 40 jours pour l'exploration. Vous allez faire 40 ans dans le désert. Et ce qui s'est passé, ils ont établi leur base à Kadesh Barnea. À cet endroit-là, ils ont fait 38 ans. Parfois, ils tournaient dans le désert. Ils retournaient à Kadesh Barnea. Ce n'est pas peut-être ton cas aujourd'hui. Tu sors dans votre famille. Tu as trouvé une maison. Après, tu reviens à Kadesh Barnea. Qui est votre famille? La maison familiale. Ce n'est pas ton cas? Tu as commencé, tu as grimpé dans les affaires. Après, tu repars au point de départ. Ce n'est pas ton cas aujourd'hui. Ils étaient là comme ça dans le désert. Ils souffraient dans le désert. Mais au lieu d'avancer, ils tournaient en rond. Et ce n'est pas ton cas de tourner en rond. Je m'adresse à quelqu'un ici. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie spirituelle, ce n'est pas la vie naturelle. Ce sont des choses diamétralement opposées. La vie spirituelle est autre que la vie naturelle. Les choses se passent dans l'esprit, dans le monde spirituel. Tout ce que nous vivons, nous subissons ce qui a déjà été planifié. Nous subissons ce qui a été préparé d'avance. Tu es né dans une famille où la sorcellerie domine toutes choses. Toi, tu veux lever la tête, mais tu dois être fort. Tu dois connaître Jésus à fond. Tu dois être une femme, un homme de prière. Un homme fort. Pas quelqu'un qui attend les dimanches pour venir à l'église. Non. Pas quelqu'un quand on a jeûné à l'église. Non, moi je ne vais pas jeûner. Je souffre de la gastrite. Des personnes comme ça, vous n'allez pas vaincre des grandes batailles. Bien aimés dans le Seigneur, ils ont tourné dans le désert. Et ils ont fait 40 ans. 40 ans. Je lève la main.
Quiconque tourne en rond, je viens comme un messager de Jésus pour te sortir de cela. Que le Seigneur te propulse, qu'il t'amène de l'avant, que tu ne recules jamais. Dieu a dit, mon serviteur fera quoi? Il prospérera, il montera, il s'élèvera, il sera haut placé. Pourquoi tu n'avances pas dans la vie? N'y a-t-il pas quelque chose qui se passe dans votre famille? C'est que tu ignores jusqu'aujourd'hui. Les jours que le Seigneur va te révéler ce qui s'est passé dans votre famille, ça sera les jours de ta délivrance. Ça sera l'entame d'une grande délivrance. Alléluia. Amen. Et bien, finalement, ils sont arrivés dans le plein de Moab. Comment ils sont arrivés là-bas? Ils ont réussi à vaincre deux rois et leur nation. Le roi Sion, le roi de Sion et le roi de Bazan. Et l'information est partie jusque chez le roi de Moab. Il a appris comment les enfants d'Israël ont neutralisé le roi de Bazan et Sion. Alors maintenant ils avaient peur. Balak avait peur. Il dit, si je laisse ces gens passer par ici, ils vont détruire ma nation. Parce que le passage des enfants d'Israël laissait toujours des traces. Je m'adresse à quelqu'un ici. Partout tu passeras, tu laisseras des traces. Amen. Des traces indélébiles. C'est que les gens ne peuvent jamais oublier. Un jour, j'habitais sur l'avenue Nyangara ici. Nyangara. De l'autre côté de Ngiringiri. J'entre dans la parcelle. Je commence à vivre là-bas. Mais j'ai découvert que dans cette parcelle, toute personne qui y entre, quand il va sortir, il va rentrer dans une petite maison ou bien tu rentres chez vous. Les jours que moi je suis entré et que j'ai appris ça, j'ai dit ce que je mets dans mes campagnes d'évangélisation. Seigneur, que l'on sache que tu es Dieu, moi je suis ton serviteur. Ces gens sauront, ils sauront qu'il y a un homme de Dieu qui était passé par ici. Amen. Et pour sortir de cette parcelle, il s'était passé par des chamaillements. C'était terrible. Et ce qui passe, les gens de la parcelle m'ont fait toi. Et la maman est venue. Le matin, elle est venue. Aïe. Prends ton argent de garantie. Je lui ai dit, si tu savais que je cherchais déjà une maison avec cet argent, Amen. Je cherchais déjà la maison, pas avec l'argent de la garantie. J'ai trouvé une maison de trois chambres. Parce que là c'était deux chambres. On utilisait la toilette commune. Beaucoup de personnes là-bas. Maintenant, il faut des tours, tu viens arrêter à l'église. Je prie Dieu aujourd'hui de te donner une maison à la toilette dedans. Et j'ai dit, à cet moment, rentre avec ton argent. Je suis prêt déjà pour trouver la maison. Dès que j'en ai, je vais te dire, et tu vas venir avec ma garantie. Et j'ai trouvé une maison à Yolo. Trois chambres, cuisine, salle de bain. Magasin. Alors, je suis parti, je dis, on a trouvé la maison, donne-nous la garantie. Nous avons récupéré la garantie et nous sommes partis à Yolo. Un jour, elle a fait une erreur de venir me visiter là-bas. Elle a fait l'erreur de venir me visiter là-bas. Et l'autre,
Elle trouve que dans sa maison, quand les gens quittent et retournent dans une petite maison, mais moi j'ai quand même pris une grande maison par rapport à la sienne. Elle regardait comme ça par-ci par-là. Que Dieu étonne tes ennemis. Amen, amen. Amen. Et j'ai pris l'argent, je lui ai donné. Maman, je lui ai donné l'argent. En 2005, je lui ai donné 10 000 francs. En 2005. 10 000 francs, c'est beaucoup. 10 000 francs, hein, à cette époque-là. J'ai demandé à Dieu de confondre tes ennemis. Ah, j'ai dit que Dieu confonde tes ennemis. Je disais ceci. Il faudrait que partout tu passes, même dans ta famille, qu'on sente que nous avons un frère, nous avons une sœur qui n'est pas n'importe qui. Non. Qu'ils disent que non, 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 dans cette famille, il y a un enfant qui prie dans cette famille, qui a bouleversé les données. Alléluia. Amen. Et Balak ayant peur, il se dit, ces gens, ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont renversé les Égyptiens. Ils ont détruit le pays de... de Bazan et de Sion. Maintenant, c'est mon tour. Parce qu'il y a d'autres qui t'ont combattu, qui sortent en arrière. Ils sortent en arrière. Ils t'ont combattu, tu les as vaincus, tu as passé. Maintenant, ceux qui t'attendent devant là, qu'ils sachent que tu ne viens pas seul. Tu ne viens pas seul. Israël ne marchait pas seul. Israël était accompagné. Israël a zaké elongo dirigé Tambusami par le Créateur. Na mokeli. Par El Shaddai. Na mokeli. Il dit, j'ai peur de ces gens. Abinazo banga batoyo. Ils vont nous détruire. Bakobebi sabiso. Il dit, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure. Bakoye banakobebi soyo nyoso ezakozinga. Mais je me suis dit, les enfants d'Israël n'étaient qu'un petit nombre. Ils étaient 75 quand ils sont entrés en Égypte. Mais ils sont sortis. 600 000 hommes. Sans compter les femmes et les enfants. Donc au total, ils étaient presque 2 millions de personnes. Ces 2 millions de personnes, quand ils venaient, ils envahissaient l'endroit. Et Balak envoya ces gens venir. Oh, il a eu peur. Je demande à mon Dieu de créer la terreur devant tes ennemis. Que les ennemis commencent à avoir peur de toi, mais de loin. Parce que vous ne savez jamais. Il y a des gens de loin qui te regardent et après toi tu ne sais rien. Même les sorciers, vous les craignez pour rien. Ils n'ont rien. Moi j'ai vu beaucoup de sorciers comme ça. On m'a envoyé un petit sorcier de 4 ans. 4 ans. On dit, pasteur, il est devenu sorcier depuis longtemps. Il embête la famille. Est-ce que tu peux les délivrer? Il dit, amène-le. Ils sont venus avec lui. Un petit garçon qui parlait avec une voix rauque. Tu connais Jésus? Oui, je le connais. Toi, tu le connais comment? Nous l'avons tué. Ah, toi tu as tué Jésus. Maintenant il est où? Il ne dit rien. Je lui ai dit, bon, si tu veux connaître qui est Jésus, je t'autorise ici. Ici c'est mon territoire. Tu es dans mon secteur. Entre en esprit. Regarde-moi. Il a fermé les yeux. Il a fermé. Il est entré en esprit. Il a crié. Du coup, il a crié. Ah! Dit, mais qu'est-ce que tu as vu? Le feu! Bien-aimés, nous sommes des flammes de feu. Dieu a fait de nous des flammes de feu. C'est comme ça que Dieu, il bouleverse les données maléfiques de nos familles à partir de nous-mêmes. Il ne va pas utiliser quelqu'un d'autre. Il va utiliser toi. Ils ont entendu, mais dans sa terreur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire appel à un devin. Abengi ya solo moto oyo atala kama kambo. Un devin, répétez avec moi, devin, devin. Un devin, répétez. Moto atala kama kambo. Au lieu d'appeler un serviteur de Dieu, il appelle un devin. Abengi moto akotali. C'est écrit, c'est au verset 7 là. On dit qu'il appela un devin. C'est ce qui est écrit, les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent et avec des présents pour les devins.
Ce n'était pas un vrai prophète. C'était un faux prophète. Ils vont aller consulter Balaam. Frère, toi qui jusqu'à aujourd'hui, quand il y a un problème, tu vas consulter les féticheurs. Tu es encore loin, tu es en dehors du cercle de Dieu. Tu es trop loin. Il ne faut jamais aller consulter ces gens. Si ça ne va pas, nous avons un Dieu qui parle. Nous avons un Dieu qui entend. Il n'est pas un sourd. Il n'est pas un muet. Il n'est pas un aveugle. Il a dit à Moïse, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Il voit, j'ai entendu les cris. Je suis descendu. Il peut descendre. C'est pourquoi la Bible dit, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Invoque-moi et je te répondrai. C'est ça l'écriture. Alléluia. Amen. Et au lieu de chercher l'Éternel, parce qu'ils avaient peur des enfants d'Israël, ils vont chercher un devin. Ce devin avait le pouvoir, il avait le pouvoir de maudire et de bénir. Et ils savaient ça. Ils étaient au courant que cet homme avait la possibilité de maudire et de bénir. C'est comme ça que le roi Balak va envoyer les anciens de son pays avec les anciens de Madian. Parce qu'il a réuni, il a appelé les gens de Madian. Madian, c'est un autre pays. Hein? Et aussi vient d'Abraham. Parce que Madian, c'est un enfant qui est né de Ketura. La femme, l'autre femme qu'Abraham avait prise après la mort de Sarah. Donc Madian aussi c'est toujours Abraham. Mais ils viennent combattre les enfants de leur papa. C'est ce qui se passe aussi. La Bible dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. C'est ça. Ils sont allés combattre. Mais pour le faire, ils avaient besoin d'une certaine spiritualité. Ils avaient besoin d'une force spirituelle. Parce qu'ils se disaient, ces gens qui viennent ici, ils ne sont pas dominés. Jamais. Le chrétien est inenvoûtable. Non. Le chrétien ne le domine pas. Si le chrétien est dominé, ça veut dire qu'on a dominé Jésus. C'est ça. Bien aimé, retenons ce que nous avons. Nous avons un grand Dieu. En prenant les devins, ils sont partis avec l'argent. Ils sont donnés. Et le prophète, il a regardé comme ça. Il dit, bon, restez ici. Je vais demander à Dieu. Je vais demander au Dieu de ces gens-là s'il peut m'autoriser de les attaquer. Parce que le monde spirituel est compliqué. Moi, je suis dans le Seigneur, ça fait plus de 30 ans déjà. Plus de 30 ans que je suis dans le Seigneur. Je vis des choses et des choses. Je vous dis la vérité. Des choses et des choses. Dieu m'a fait la grâce d'avoir la vision. D'avoir la parole de connaissance. D'avoir les songes. Ce sont, la plupart du temps, sont ces choses-là. Et l'écoute aussi du Saint-Esprit. Ce sont des choses qui m'aident souvent à déjouer les plans de l'ennemi. Je peux voir une chose déjà la nuit dans un songe. Je crois que c'est le cas de plusieurs ici. Le matin, ça arrive, tu es déjà informé. Quand ça arrive, tu sais comment agir ou réagir par rapport à ça. N'est-ce pas? C'est vrai ou c'est pas vrai? Ils vont appeler un devin. Envoûte-nous ce peuple. Il dit, restez ici. Quand tu vas chez un prophète, il te dit, donne-moi l'argent. Catégoriquement, carrément, reconnaître ce que c'est un faux
prophète. Non, donnez l'argent, donnez l'argent. Et l'action de grâce. L'action de grâce, on donne après avoir vu ce que le Seigneur. À moins que toi tu sois convaincu de donner ça avant. Mais si quelqu'un demande ça de force, c'est un faux prophète. C'est un Balaam. On lui apportait toujours l'argent. Mais ce jour-là, il dit non, je vais demander d'abord au Dieu de ses gens. C'est la même chose avec les sorciers. Souvent, les sorciers de nos familles collaborent avec les sorciers qui nous entourent. Ce que je vous dis, c'est la vérité. S'ils entrent dans une parcelle, c'est-à-dire que le sorcier qui est dans la parcelle leur a donné l'autorisation de pénétrer. Bon, je vais vous donner un exemple. Amen. J'étais sur le premier rue Kimbangu ici. J'habitais là-bas. Comme locataire. En 2013. Qu'est-ce qui va se passer? La nuit, je dors. Je vois un garçon qui vole comme un oiseau. Qui surmonte le portail de la parcelle. Il entre dans la parcelle. Il se dirige tout droit devant la porte de ma maison. Curieusement, moi j'étais là debout devant la porte. Je ne sais pas comment, bon, le son ce n'est pas comme naturel. J'ai vu la porte était ouverte. Et il entrait. Et moi j'étais là. Quand il entre, je vais lui donner une gifle. Il retournait. Il est sorti. Abimi. Et le matin, c'est un voisin. Ce petit-là, c'est un voisin. Le matin, il va dire au propriétaire pourquoi vous faites entrer les pasteurs dans vos parcelles. Je viendrai plus ici. Jusqu'au jour où je suis sorti de cette parcelle-là. Ce petit n'a plus mis ses pieds là-bas. Alléluia. Amen. Même endroit. Un jour, je rêve que je dors avec mon épouse ainsi que l'enfant. Je sens qu'au-dessus de tôle, au-dessus du toit là, il y a quelqu'un qui a une mitraillette qui tirait sur moi. Il avait vraiment toute une chaîne de dans son corps. Il tirait seulement sur moi, pas sur madame. C'était seulement sur moi. Pour lui, les balles pénétraient. Et pour moi, ça tombait dessus comme ça. Ça ne pénétrait pas. Et finalement, elle a fini, c'était une fille. Hein? Elle a fini son travail. J'ai entendu quelqu'un qui est descendu. Je suis allé à la fenêtre pour dire, mais qui est venu me tirer dessus? J'ai vu une sœur qui priait avec nous à l'église. Qui chante à l'église, non? Elle est partie. Ok. Mais à ce moment-là, elle est revenue à l'église. J'ai dit, comme ça, tu peux reprendre. C'est à ce moment-là qu'elle peut faire ce songe-là. J'ai dit, mais toi, c'est toi qui tirais sur moi. Elle dit, non. Je ne saurais plus, je dois partir. Elle est sortie, mais je vis à la porte. La fille là qui sécurisait parce que le propriétaire de la parcelle vit en Europe. La fille là qui gardait la parcelle. À la porte, et la porte est ouverte. Donc c'est elle qui lui a ouvert la porte. Le soir, on m'a invité pour aller prêcher à Kimbangu 3 ici. Mon téléphone sonnait. Je ne savais pas pourquoi. Après, je vais voir 15 appels manqués. Je vais rappeler qu'est-ce qui se passe. On dit la fille là, elle a fait une crise. Celle de la parcelle là. Elle a fait une crise, elle est à l'hôpital. J'ai fait exprès d'arriver là-bas en retard. J'arrive là-bas. Pasteur, elle a fait une crise. On t'a demandé pour t'appeler pour prier. Mais moi, je savais ce qui s'est passé la nuit. Elle a ouvert la porte pour faire entrer notre sorcière. J'arrive là-bas. Je dis, on a déjà prié. Oui, bon, j'ai fait semblant. Puis je suis sorti. Comment prier pour une telle personne? Atabinomoko. Je disais ceci, que le monde spirituel, les sorciers de nos familles, ils fonctionnent toujours avec ceux qui nous entourent. Et ils ont appelé Balaam. Balaam est venu. Il dit non,
Donc, avant de partir, il va demander à Dieu. Dieu va lui dire, qui sont les gens qui sont chez toi? Il dit non, ce sont des gens que le roi Balak a envoyés. Ah bon, mais pourquoi? Non, ils sont venus me demander d'aller maudire cette personne. Bien aimé, écoutez-moi. Dieu a dit à Abraham, je bénirai celui qui t'est, je maudirai celui qui t'est. Et il dit cette promesse est pour toi et pour toi, ta postérité. Qui peut aller maudire Israël? Dieu a donné la promesse aussi. Ce que je viens de dire, c'est dans Genèse 12, verset 3. Je bénirai celui qui va te bénir. Mais il va réitérer la même bénédiction à son fils Isaac. Il va le répéter aussi à qui? À Jacob. Quand il est en train de voyager et qu'il a fait un songe, il voit l'escalier, les anges monter et descendre. Je lui dis, je serai avec toi partout où tu iras. Mais Israël, en déplacement de l'Égypte vers le territoire de Canaan, toi tu viens en route pour stopper Israël. Tu viens en route pour bloquer Israël, pour maudire Israël. Et Simbaté. Vous avez Dieu. Mettez ça dans votre esprit. Vous avez Dieu. Si tu as Dieu, écoute-moi. Il y aura des complots. Il y aura toujours des projets contre toi. Mais ça finira toujours par échouer. Ça échouera toujours. Moi, votre bien-aimé, votre frère, votre pasteur, pas votre voisin, mais votre frère. Amen. Je n'allais même pas venir prêcher aujourd'hui. Pourquoi? Je fais la campagne publique ici à Nyangara. Au coin là-bas. Parce que je suis évangéliste. C'est ça mon ministère. J'ai fonctionné comme un pasteur. J'ai fonctionné comme ça jusqu'en 2013. Le Seigneur va me dire, tu n'es pas un pasteur. Bon, Seigneur, je suis qui? Tu es un évangéliste. Tu dois aller sur le terrain, sur les espaces vides, pour prêcher la parole de Dieu. Oh, depuis ce temps-là. D'ailleurs, j'ai commencé à prêcher comme ça sur les rues en l'an 2000. Et finalement, Dieu m'a dit, tu es un évangéliste. Bien aimé dans le Seigneur, quand j'ai fait la campagne là, le 29 décembre 2019, c'était terminé. On rentre au mois de janvier, je ne me sentais pas bien. Je venais à l'église, je ne parvenais pas à être à l'église, je me tenais dehors. Je sentais l'étouffement. Ça n'allait pas bien sur moi. Je ne prêchais pas. J'invitais les autres à venir prêcher. Ainsi que mes fils spirituels. Ce sont eux qui prêchaient. Il y a eu confinement. Nous sommes allés en confinement. Et qu'est-ce qui se passe? Pendant le confinement, je vois ma tension monter, baisser. L'étouffement. Je ne parviens plus à dormir. Il n'y a pas de sommeil. Même si tu prends un somnifère. La nuit. Pof, quelque chose te frappe ici. Tu ne seras plus dormi. Les jambes, il y a le feu dans les jambes. Il y a des choses qui montaient. Le docteur m'a demandé de faire des analyses. Je suis allé jusqu'à HJ. On a fait le scanner. On n'a rien vu. On a fait ECG. Rien. EEG. Rien. On a fait tous les examens possibles. Rien. Qu'est-ce qui se passe alors? J'allais mourir deux fois. Si tu as une femme qui craint Dieu, bénis Dieu mon frère. Je n'ai pas dit ça, je suis marié. Et je suis père de 6 enfants. Et ma femme, moi, un jour j'ai senti que je partais. J'ai dit, ma master, je m'en vais. Il est venu m'a touché seulement. L'onction est entrée chez moi. Pouf, je me suis retrouvé. Un autre jour, c'était la journée. Je sentis que je partais. Il m'a touché encore. L'onction m'a saisi encore. Je suis revenu. Après ce temps-là, le médecin va me dire, pasteur,
pasteur. Na traité au pemingi. Chez vous les pasteurs ma campé comme yebelé. Est-ce que tu peux autoriser que je fasse le test du poison? Koko linga et na sala yo. Je dis docteur, il y a pas un problème. Habité likambo ezalité. Il a fait le test. A sali test. On a constaté que j'étais empoisonné. Batali était na zaki na poison na ngeli mabé. Qu'est-ce que je fais? Abinkolo na salini. Parce que dans la vie, il faut pas dire, il faut pas attendre qu'on dise qu'est-ce que tu as fait. Vous savez ce que le diable a peur en vous? C'est votre destinée. Il sait ce que vous allez devenir demain. C'est ce que Israël va devenir demain. Israël va aller conquérir le territoire de Cana. Il va prendre Cana. Il faut l'enfouter par Balaam. Ce qui se passe chez vous, quand l'ennemi voit que vous êtes en train d'aller trop loin, il fera tout pour chercher à vous stopper. Mais je dis ceci, on ne va pas vous stopper au nom de Jésus-Christ. Vous arriverez jusqu'à la fin. La Bible dit, Psaume 91, verset 16, j'accomplirai le nombre de tes jours. Je remplirai le nombre de tes jours. Tu ne mourras pas avant la fin de tes années. Jamais. 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 Quelle que soit la conspiration, le Seigneur s'élèvera. Il combattra pour toi jusqu'à ce que tu vainques et tu déjoues le plan de l'adversaire. Il a constaté que j'avais les poisons. On m'a traité avec leur. Il me dit, pasteur, on a appelé les gens là. Ils m'ont traité. Ils vont faire des tests que ça va. Il n'y a rien. Bien aimé, c'est passé. C'est comme si. Les gens qui ont fait ça ont compris que pendant le confinement, que ça n'a pas tenu. Ils sont venus d'une autre manière. Je ne sais pas comment. Maintenant, le deuxième là a touché et moi et mon épouse et tous les enfants. Maintenant, je sens encore plus d'étouffement. Je ne dormais pas. Il n'y a pas de sommeil. Ce qui faisait que la tension. Parce que le docteur me disait, tu n'es pas un hypertendu. Il doit y avoir quelque chose qui se passe. Mais un autre docteur m'a dit, tu es un hypertendu, prends le médicament. Celui qui m'a suivi dit, non, pasteur, il doit y avoir quelque chose. Et quand je suis. Il y a un pasteur qui m'a dit, pasteur, je connais les gens de Bukavu. Pasteur, mon soeur, c'est la PFTD. J'arrive chez les Bukavu, ils vont tester, ils vont dire non, il y a un double poison mélangé. Et double poison, on vend des caméléons et des crocodiles. La mort était là dans mon corps. Et pendant ce temps, tout le monde rêvait. Toloti pasteur Koufi. Tout le monde, les gens t'appellent en Europe. On a rêvé que tu es mort. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je t'ai fait quoi pour me tuer? Qu'est-ce que je t'ai fait? Parce que je sais, je marche droitement avec toi. Je ne suis pas dans les affaires de femmes, de femmes d'alcool. Je ne suis pas dans ces choses-là. Je ne suis pas un escroc. Non. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Tu m'as dit des choses que je dois faire. Je n'ai pas encore réalisé ça. Tu veux me prendre avant, pourquoi? Mais quand cela s'est avéré que c'était ça, Dieu a permis que ces gens puissent me traiter. Et que nous tous, mon épouse et nous soyons guéris tous. Amen. Maintenant, nous sommes là. Je crois que là, ils se disent, mais tout. Les gars, à l'église, là, je n'ai pas dit ça comme ça. Là, je dis seulement, Dieu m'a guéri. Amen. Gloire au Seigneur. Parce que là, les gens qui ont fait ça, s'ils sont à l'église, ont dit, ah, ils ont compris qu'il est parti quelque part. Mais c'est Dieu qui a utilisé ces moyens. Parce que finalement, le pasteur qui m'a envoyé là-bas, deux mois après, on l'a tué à Lubumbashi. Deux mois, pourtant comme ça, il est mort à Lubumbashi. Et ma femme qui disait, papa, pasteur a sommé lui-même à Bisson, on dit, ah, ça c'est l'affaire de Dieu, je ne connais pas. Amen, amen. Amen. La conspiration diabolique déjouée, confondue. Je m'adresse à quelqu'un. Si dans votre famille, on a planifié que les femmes ne se marieront jamais, c'est toi qui vas déjouer ce plan. Tu vas te marier, tu resteras en les mariages jusqu'à la fin de ta vie. Parce qu'il y a des gens comme ça dans la famille, déjà programmés. Personne ne peut finir l'université. Personne ne peut finir les universités. Il y a des familles comme ça. Personne.
fournir les efforts. Non. Non. J'ai un enfant chez moi qui est devenu mon interprète là. Je l'ai enseigné en 5e primaire. En fait, je n'étais pas un pédagogue. Hein. À l'époque des pillages, en 91, 92, 93. Je suis parachuté de devenir un enseignant de primaire. Avec des licences, diplômes d'université de sciences commerciales et financières. Amen. Et maintenant, je tombe, je deviens enseignant de primaire. C'est là où j'ai gagné ses frères. Il était un petit garçon. Et il va me dire ceci. Pasteur, dans notre famille, personne ne dépasse le niveau deuxième CO. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est septième année. Huitième. Donc chez eux, personne ne dépasse huitième. Je lui ai dit, frère, comme tu es venu à côté de moi, on va combattre ça et physiquement, et financièrement, et spirituellement. Quand il arrive en deuxième CO, son papa n'a plus d'argent pour payer. J'ai pris la charge parce que j'ai pris son combat. Amen. J'ai commencé à lui payer les frais. Arrivé en cinquième des humanités, moi-même j'avais encore beaucoup de problèmes. J'essayais de lui payer l'argent. Et ma grande sœur, heureusement ma grande sœur aussi connaissait les petits. Ma grande sœur a payé pour lui. Aujourd'hui, il est le seul à avoir le diplôme d'État, s'il vous plaît. Le seul à avoir le diplôme d'État dans sa famille. Donc pour lui, là, il est le top de la famille. Alléluia. Amen. Toi aussi, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que la famille a conspiré avant vous? Bien-aimé dans le Seigneur, moi je reçois beaucoup de gens dans mon bureau là. Na bureau nangai. Il n'y a pas de jour que je ne reçois personne. Chaque jour je reçois les gens. Même si je décide de ne pas venir à l'église, même au téléphone, j'aurai des gens. J'entends beaucoup. 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 Il y a des gens, tu peux voir son apparence, tu crois que cette moto a bien, mais rien. L'apparence trompe. Il y a des choses qui se passent dans nos milieux que nous devons combattre dans les prières. Tu es là, tu travailles bien sûr. Tu vois que même ceux qui, des petits qui viennent après toi, ils te dépassent en fonction. Mais toi qui es venu là avant, tu es toujours là. Tu acquises toujours le chef. Le chef, il est mauvais. Mais ce n'est pas le chef. Regarde derrière toi, il y a des problèmes chez toi là-bas. C'est à toi de combattre ce qui s'est passé. Je ne vais pas aller trop loin, je vais terminer par là. Et on va prier. Il y a un frère, quand il avait 17 ans, ils ont eu le décès d'un enfant, d'un petit enfant, dans la famille. Et on est allé enterrer l'enfant à Kitambo. Ils sont revenus à la maison. Le grand-père va dire à ces garçons, accompagne-moi au cimetière. J'ai oublié mon trousseau dans le cercueil. Alors que c'était une conspiration. C'était un complot. Écoutez, la Bible dit, il formerait des complots. Cela ne viendra pas de moi. Toute armée forgée contre vous sera sans eux. Isaïe 8, 10 ici. Isaïe chapitre 8, verset 10. Formez des complots, ils seront anéantis. Donnez des projets, ça sera anéanti. Donnez des ordres, ils seront sans effet. Écoutez, Yoka. Il est parti. Ils ont créé, c'est pas avec la complicité des gens du cimetière, je ne sais pas. Ils ont créé, ils n'ont rien vu. Et les garçons sont revenus. Il n'a rien dit à personne. Le grand-père lui a fait ça. Il a fini ses études. Il est devenu un grand. Maintenant, il travaillait quelque part. Mais le salaire qu'on lui donnait, un salaire de misère. Il ne parvenait même pas à faire étudier ses enfants. Jusqu'au jour qu'il va rencontrer la parole comme celle-ci. Il s'est dit non. Je dois chercher à connaître. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Il a prié sérieusement. Il a prié. Retraite, il est là.
jeune à l'église, il est là. Tous les jours, il est là. Il, même s'il y a la pluie, il vient. Parce qu'il y a des gens, comme la pluie va venir là. L'église, il ne vient plus. La pluie. Et jusqu'au jour où Dieu va lui révéler. Parti au cimetière à 17. Regardez, il a plus de 50 ans maintenant. Il a vu qu'il est au cimetière avec son grand-père. Ils sont partis, ils ont cherché des clés, il n'y avait pas. Et le Seigneur lui dit, c'était un piège du grand-père. Il est parti enterrer sa richesse là-bas. Il a pris la richesse du garçon. Il l'a enterré. C'est comme ça qu'il ne peut pas voir ça. Alors lui a dit, Seigneur, Dieu lui a dit, il faut prier. Alors, il a commencé à prier. Seigneur, j'arrache mon argent. Je récupère mon argent. Je déterre ma richesse. Partout là, enterré. Au cimetière de Kitambo. Je viens déterrer sa maintenant. Il prie à haute voix. Il prie à haute voix. Parce qu'il y a des choses comme ça, il ne faut jamais prier superficiellement. Prier légèrement. Non. Il faut prier avec profondeur. Prendre du temps la nuit. Prier la nuit. Comme aujourd'hui, je priais, je me suis réveillé à 2h. Et la chanson là est venue. Qui sait chanter ça? Comme ça. C'est ça. Et l'autre côté, vous allez chanter ça, on va prier. Et l'autre côté. Ça me venait jusqu'au matin. Ça venait toujours la chanson. Et les garçons commencent à prier un jour. Il a vu dans les songes qu'il creusait à un endroit quelconque. Il a fait sortir beaucoup d'argent. Il s'est réveillé. C'était les songes. Les jours suivants, il va aller au service. Le patron va lui dire, je crois que toi tu dois aller en Belgique pour aller faire la formation. Le recyclage. Après tu vas revenir. Et il est parti. Pendant tout ce temps, les amis partaient, lui ne partait jamais. Je m'adresse à quelqu'un ici. C'est ton tour de partir. Amen. Si les autres partaient, toi tu restais. Maintenant tu vas partir. Parce que le plan du diable va être confondu ce matin. Alléluia. Amen. Alors, il va aller en Belgique. Il va faire la formation. À son retour, on va le nommer. Il va devenir directeur. Maintenant, sa vie a changé. Pourquoi? Il faut, non, pas chef, pas ça, ma belle. Non, regarde. Les origines. La conspiration diabolique. Dans la famille. Les choses n'évoluent pas. Tu ne te maries pas. Ça ne va pas. Rien n'avance. Il y a eu une conspiration. Il y a eu un plan que toi tu ignores. Aujourd'hui, que tu connais ce plan ou non, on va le détruire. Amen. Hein? Amen. On peut se tenir debout. Qui connaît la chanson là? Ok. Ce que j'entendais depuis la nuit. Hein, ils sont venus avec leur complot. C'est comme ça que je disais que les mamans de la chorale ont la révélation. Amen. Pourquoi? Parce que Balaam Laka, il est parti. Il s'est entêté, il est parti. Mais finalement, Dieu a envoyé un ange avec quoi? Avec l'épée. Et le Dieu a résisté Balaam. Mais tout ce qu'il a fait, ça n'a pas tenu. D'ailleurs, même Balak l'a chassé. Allez lire ça à la maison, vous allez voir. Nombre chapitre 22, 23, 24. Lisez ça à la maison. Vous allez voir que c'est une histoire très compliquée. Ça nous enseigne beaucoup de choses. Et moi, je peux prendre ça pendant des mois. Je prêche ça. Je prends verset par verset. Alléluia. Lève-toi de me dire merci pour ce message.